Aïe, oh, lundi 6h du mat, ça pique comme quand la veille t'as été con comme un singe en hiver à faire tomber des bouteilles de gnôle avec les lèvres gercées. Mais bon, y'a pas d'heure pour apprendre. Mon compte triple, sous le soleil qui pique. Aujourd'hui le mot c'est congruence, et ça se prononce congruence. Allez hop, un petit rébus, c'est parti! Eh oui! Ok, la congruence de son intervention reste à prouver, hein, tout comme celle de son accoutrement vestimentaire. Hachoum disparu! Disparu! La congruence, c'est le fait de s'ajuster, de coïncider parfaitement. Non mais tu vas rentrer, espèce de putain d'objet à la con! Gruence. Tout à fait, on peut parler par exemple en médecine de la congruence d'une articulation où les deux parties s'adaptent parfaitement. Bah c'est fou, ça marche nickel, c'est parfait! Ou d'une anastomose. Alors pour faire simple, une anastomose, c'est la communication naturelle ou établie chirurgicalement, par Bibi par exemple, entre deux organes, deux vaisseaux ou deux nerfs. Et mine de rien, anastomose, ça aurait pu être l'objet d'un futur mot compte triple. Je pense que ce n'est pas faire preuve de congruence vis-à-vis du public que d'expliquer trop de vocabulaire médical, car bien que très spécifique, on s'en bat les reins. Vous avez noté la congruence entre l'expression de son visage et ses sentiments intérieurs, comme si le corps et l'âme s'exprimaient d'un seul tenant. Anastomose invisible, non préhensible et pourtant compréhensible. Merci pour la métaphore, c'est déjà ça. Il faut savoir faire preuve de congruence dans nos relations, être cohérent entre ce que nous ressentons et les actions que nous menons, entre ce que l'on dit et ce que l'on pense, malgré la complexité souvent contradictoire de notre condition humaine. Alors lui, par contre, il rentre pas ce merde-là. Pour finir, on parle aussi en mathématiques de rapport de congruence. C'est le rapport qui existe entre deux nombres congrus. Il y aurait beaucoup à en dire... Et c'est là que j'interviens pour développer un petit peu plus du côté de notre ami l'arithmétique modulaire. Mais c'est chiant. Et je suis pas très bien calé sur le sujet, hein, donc clap de fin. Non mais je rêve, il m'a roté à la gueule, là. Non mais c'est pas possible, il est où le respect? Il est où? Beaucoup me l'ont demandé depuis un an, c'est le retour de Mot Compte Triple. Je sais pas encore à quelle fréquence, hein, ça sera sûrement pas toutes les semaines. Mais au pire, vous en avez déjà 26 dans la playlist. C'est pas dit que vous vous rappeliez de tous. À bientôt.